Bonjour à tous, chers amis. Donc là, on est devant chez Xavier Langade, qui va. Ah, mais là, voilà! Ah, j'ai cassé ta vidéo là. Ah, j'allais faire une présentation. Bonjour. Bon, ça, on va faire en direct, c'est super. Moi, ça va bien. Je filme là. Alors, Xavier, c'est lui. Ton prénom, c'est quoi, ton prénom? Simon. C'est le héros du 8 février. Ouais, enfin. La doublure du héros. Moi, non, il est exagéré, il est très très modeste. Donc, Xavier n'a jamais fait de marathon. Non. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu te voir, parce qu'on va te remettre le t-shirt officiel. Un débardeur. Pour le 8 février. Ah, ben voilà, ouais, ça va. Donc, réalisé par Eléa. Alors, bah, vas-y, je te laisse le mettre. C'est Eléa qui l'a fait, hein. D'accord. Tu veux le mettre? Oui, j'ai pas encore mon gros manteau, hein, donc c'est pas un test total. Non, on va se mettre ailleurs que dans la rue quand même. Ah, bah, j'ai pas arrêté de couper, moi. Vas-y. Alors sinon, vas-y, tu continues de filmer. Donc, ce qui va se passer le 8, pendant qu'on en parle, le 8 février, donc rendez-vous à tous, puisqu'à partir de 18h, on ouvre les portes, deuxième projection des documentaires, et puis ça sera l'occasion évidemment de féliciter Xavier, parce qu'on espère arriver. Attends, j'ai dit que je partais, j'ai pas dit que j'y arrivais encore. C'est toujours comme ça, il y a un premier pas. Quand on n'est pas sûr d'y arriver, le mieux c'est d'essayer. Voilà, ouais. on verra bien. Donc là, on va aller mettre le t-shirt. Et pas oublier, donc deuxième diffusion du documentaire. Et si on parlait d'amour, des échanges. 150 places, donc on a de quoi recevoir. Et puis il y aura un concert incroyable du groupe Les Connections, groupe rock. Et quelques surprises encore qui nous attendent. Voilà la maison de Xavier, il va beaucoup plus vite que nous. Hein. Voilà, j'ai déjà fini. Referme sinon. Tu couperas les mamans bizarres. Ouais, mais c'est pas grave. Alors voilà, donc on en parlait avec Xavier. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quoi ton expérience du sport? Est-ce que ce challenge te fait pas un peu peur? Comment tu l'appréhendes? J'y pense pas, comme ça c'est mieux. Hein, tu m'as fait une proposition, j'ai trouvé que c'était fou et je pense que c'est un peu ce qui m'a plu. On a essayé 10 km, c'est passé tant bien que mal, on est arrivé au bout et puis là, 40 km, ça se tente. Voilà, ça se tente, je peux pas dire plus que ça. Tu t'attends à quelque chose de spécial Oui, je pense que ça va être une belle expérience quoi qu'il arrive et. La différence par rapport aux 10 km, c'est que là, on va le faire plutôt en tandem. C'est-à-dire que si je m'épuise dans chaque côte, c'est sûr et certain que j'arrive pas au bout. Donc là, on va le faire en partenariat, tous les deux. Ouais. C'est comme ça que je vois. Et puis, alors, il y a deux choses. Pour moi, c'est un peu exceptionnel aussi qu'on vive ça ensemble, parce qu'il va y avoir la direction des gens. Mais aussi, ce qu'on va faire, et je l'annonce là directement pour la vidéo, et tu ne le sais pas encore, c'est que je propose qu'on filme à des petites séquences d'une minute au cours, parce qu'on va rencontrer des gens, on va peut-être passer dans la gare. Voilà, donc je pense que ça va intéresser les gens de voir que l'aventure, ça peut être un truc juste chez nous, tout simple, mais qui peut être un peu incroyable. Oui, bah écoute, pourquoi pas, tu as le droit des surprises. Tu as des surprises avec le t-shirt qui n'était pas prévu au programme. Ah oui, alors voilà, le t-shirt. Non, mais il faut finir de répondre à ta question. Attends, on verra après le t-shirt. Et là, le coup de la caméra, peut-être qu'au début, je vais m'en rendre compte. À mon avis, très vite, j'aurai autre souci à penser que la caméra. Et je pense qu'à la fin, ça sera histoire sans parole pour moi. Bon, ouais. Super. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, si, c'est qu'il y a aussi des personnes, si elles veulent nous rejoindre sur le marathon. Eh bien, on peut leur dire que c'est possible, puisqu'on partira bien à 7h45 de la mairie. Faut me contacter par le SMS si on veut nous rejoindre. Mais on a déjà des accompagnateurs vélo. Voilà, et on peut aussi se donner rendez-vous à 15h au 122, voilà. Si on y arrive. Donc. Et éventuellement, qui veut peut nous rejoindre sur un tronçon du parcours. Alors, on verra si on met une appli de localisation pour être opéré, ou ils font ça au feeling. À l'envers, c'est comme ça qu'ils ont le plus de chances de nous trouver. Et est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur ton parcours? Donc, tu as eu un accident il y a longtemps, c'est... Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et puis, et donc, tu es aussi adjoint au sport à Muret. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Adjoint au sport depuis un an. Ouais. Et je pensais pas faire autant de sport en tant qu'adjoint. Sinon, je ne sais pas si j'aurais signé. Non, je suis très content de cette opportunité que tu m'offres. Et je suis aussi très content d'avoir accepté, parce que ce n'est pas forcément évident. Moi aussi, je suis content. Donc, entre fêlés, on se comprend, on va dire ouais. Ça comme ça. Puis je suis content que tu insistes sur le fait que tu as accepté. Ah oui, bien sûr. Je n'oublie pas les gens.
pas fait un chantage par rapport à des actions passées ou à venir. Je ne sais pas. Non, c'est de mon plein gré. Ok, cool. Voilà. Pour l'instant, bien sûr. Pour l'instant, mais tout le temps, ça sera de mon plein gré. Si j'arrête à mi-parcours, ça sera également de mon plein gré. Mais bon, visons l'arrivée. On verra bien. Bravo Antoine et merci. Bravo Xavier, c'est incroyable, la classe.